Bonsoir. Il faut que nous en soyons tous conscients. Le Rabbi, en instaurant cette nouvelle forme d'étude, le Rambam quotidien, le Rabbi nous a donné une chance prodigieuse. Il nous fait partager quelque chose qui nous avait échappé jusque-là. En effet, le Rambam, c'est l'œuvre monumentale, l'œuvre fameuse, celle qui enferme toute la Torah, qui la développe, l'analyse selon son expression, dans un langage bref et clair, à la portée de chacun. Et pourtant ce texte, le Mishneh Torah bien sûr, mais aussi le Sefer HaMitzvot, la nomenclature des mitzvot, eh bien tout cela était le privilège de ceux qui se consacrent à l'étude. Et oui, il n'y a pas si longtemps, qui ouvrait les ouvrages du Rambam? Et puis le Rabbi intervient. Il dit, eh bien, cela doit devenir la propriété de tous. Tout le monde peut y avoir accès. 3 chapitres d'études chaque jour et on termine le Rambam en 1 an. 1 chapitre d'études chaque jour et on le termine en 3 ans. Et pour ceux qui ne peuvent ni l'un ni l'autre, eh bien, le Sefer HaMitzvot. Le Sefer HaMitzvot, cette nomenclature, quelques lignes chaque jour, quelques lignes d'études et on se ressource, on se recentre sur la Torah tout entière, dans son intégralité. Quelle expérience merveilleuse! Des centaines de milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, comme le Rabbi l'a demandé, s'y adonnent jour après jour dans le monde entier. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire partie de cela. Et aujourd'hui, une grande avancée, et c'est de celle-là qu'il faut parler. Le Sefer HaMitzvot, la nomenclature des mitzvot, existait depuis toujours, bien sûr, comme le Rambam lui-même l'a écrit, en hébreu, mais voilà que cela existe maintenant aussi en français. Ainsi, il n'y a plus d'obstacle, la langue même n'en est plus un. Nous pouvons tous étudier, tous comprendre, tous nous lier avec l'esprit, l'âme, le cœur du Rambam, et ainsi nous inscrire aussi au cœur de la Torah. Bonne étude à tous.